Salut à tous, ici Sir Madness pour la suite de nos aventures sur Darkest Dungeon. Alors. Qui est-ce qu'on va envoyer? On a beaucoup de monde à envoyer. On a beaucoup de monde. Bon, où est-ce qu'on va les envoyer déjà? Peut-être la crique? Ok, pour le maître chien, pourquoi pas. Allez, on est parti dans la crique. Hop. Oui, Gabi le véreux, hein, qui veut absolument participer. Et on va mettre Gabi en 1. Hop. Alors on va mettre Tourmente. Tourmente qui n'a personne, qui n'a pas été adoptée. Mais ça pourrait être pas mal de lui faire prendre un petit niveau aussi. Et Gaming elle, il me semble que ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue. Pourquoi pas Alex Hugo? Et on est parti avec un groupe étrangement composé. Voilà, mais la mission est petite. On va quand même aller à 12 hein, par sécurité. Hop, hop. Et voilà, normalement ça devrait aller largement. The smell of rotting fish is almost unbearable. Ok, parfait, la composition là, on va pouvoir faire le tour. Ici il y aura un petit aller-retour, mais bon, c'est pas grave. Explorer 90% des pièces. Et ça y est, ça commence à stresser pour pas grand-chose. Alors, hop. Voilà, ça fonctionne. On prend tout ça. On aurait peut-être dû prendre plus de pelles pour le coup. Ok, pas de soucis dans cette première pièce. Un petit combat à venir là. In Radiance, may we find victory. Et voilà, une troupe d'hommes mérous qui nous attendait au détour de ce couloir. Allez, un petit saignement, pourquoi pas. Voilà, parfait. On va attendre un peu pour les soins, on va flageller tout ça. Voilà, on est pas mal là avec deux saignements, deux infections. Bon, en revanche, il va falloir commencer à soigner les gens. Est-ce que lui-même peut faire quelque chose pour lui? Non. Press this advantage. Give them no quarter. Voilà, parfait. N'hésitez pas, hein, si vous voulez adopter Tourmente, que vous n'avez pas déjà un personnage dans cette aventure, à le faire savoir. Et donc on renommera hein, le personnage, évidemment.
je voulais gagner du temps là pour essayer de soigner Gabi. Le truc c'est que si on attend trop longtemps, on va avoir des renforts à flinguer après. Alors, corail troublant, on peut mettre ça... Ah, oh. Alors, je ne sais plus qui m'a dit, regarde, sous les trucs il y a les icônes. Okay. Donc on notera les herbes sur les coraux. Ça nous vire un attribut négatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bas-relief. Est-ce qu'on peut y mettre une torche? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bien. Bon, visiblement, on peut pas faire grand-chose avec ça. Ah ouais, il y a visiblement gagné un attribut. Ok. Alors, on va commencer tout de suite par les soins. Il va falloir esquiver des choses. Il va falloir esquiver des choses. Infection qui marche très très bien. Back to the pit. Allez, petit stress. Oh là là. Alors les gars sont vraiment pas doués dans les esquives là depuis le début, ils en prennent plein la tronche. Ok, ça c'est fait. Ouf, voilà, il suffisait de le dire, ça les a motivés. Deux esquives d'un coup là. Et ça c'est fait, on a récupéré l'objet. Bien. On va pouvoir ouvrir cette chose. Alors, esquive plus 4, bah voilà. Il suffisait de demander. Tiens, bah toi qui en prends plein la tronche là depuis le début. Hop. Petit miam. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Bien, on va commencer par les saignements immédiatement. Oh là là, esquive. Allez, plus de soins s'il te plaît. Voilà, enfin c'est passé. Non, on va faire saigner. Si on peut tuer le truc, voilà. Comme ça c'est fait.
Qu'est-ce qu'on prend? S'il peut soigner lui là-bas. Ok. On n'a pas le choix de toute façon. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. Les soins des ténèbres. Tourmente, qu'est-ce que tu nous fais? C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais c'est un peu mieux. Ouais, lui, il faut le finir tout de suite. Ça, c'est fait, c'est bien. Ça, il y aura pas de soins. C'est mieux. Et voilà, ça c'est fait. Il y a pas mal de thunes dans la sphère. Alors ça surtout, on va pas y toucher. On a vu ce que ça donnait les premières fois. Ok, on est tranquille ici. Petite torche. Un petit sac à dos. Et voilà, c'est parfait. Alors on va avoir une petite page de journal. Alors, le plus sombre des destins, 1 sur 5. Il me semble qu'on a déjà lu ça. Tout à fait, on l'a déjà lu il y a un ou deux épisodes. Alors d'où l'intérêt de les ramener, hein, ces trucs-là, c'est qu'après, on n'a plus à les lire. En tout cas, il ne pop plus là dans les... Alors, attends. Voilà, ici il y a plein de trucs. Oh, ici aussi. Allez, ça va être pour Gabi. Ok. Ah mince. On n'a plus grand chose. Est-ce qu'on peut le faire sans? Je ne sais pas, on va voir. Et non. Oh là là. Ok, alors on va cramer la dernière torche. Et c'est parti tout de suite. Les carapaces, hein, c'est difficile à passer. Allez, du soin ici. Très très bien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, la bave de cagouille. Voilà, ça c'est fait. Ah, les cagouilles maléfiques et les méduses maléfiques. Voilà l'horreur de notre quête. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas faire le clic droit là-dessus. Oh, le petit critique là qui va bien. Voilà qui fait du bien à toute l'équipe.
Allez, ça c'est fait. Les gars sont efficaces hein, pour l'instant. Alors, on a plus de torches. Oh là là, ok. On vaut mieux tomber sur le combat tout de suite. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. A powerful blow. Ouais, on a vu que lui fonctionnait bien sur le gros tas. On va le laisser crever gentiment et s'occuper. Qu'est-ce que c'est que ça? Un garde pélagique. Bien. C'est vrai qu'il pouvait soigner lui, il aurait pu tout à fait. Voilà. Mais bon, il l'a pas fait. Tant mieux pour nous. Ouais, il va falloir survivre. Tout à fait. Voilà, très très beau soin là. Heureusement que t'as résisté au saignement parce que sinon c'était vraiment ridicule. Alors on va y arriver, hein. C'est long mais voilà, ça c'est fait. Ce stress, on avait réussi hein, quand même à avoir une équipe assez assez sereine et là voilà on nous rajoute du stress. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on les veut les soins à coup de 10 plutôt qu'à coup de 0. Oh, l'esquive. Ça c'est fait. On va pouvoir squatter le petit coffre. Allez, hop. Ah bah, impeccable. Allez, on va essayer de visiter la dernière pièce maintenant. Et c'est parti. C'est parti avec un petit piège là tout de suite. On a bien fait d'être dans la lumière. Hein. Alors, là-dessus, est-ce qu'on peut faire un truc? On peut tenter ça, pourquoi pas, oui. Non, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet, on n'a plus d'herbe médicinale, donc on peut malheureusement pas faire grand-chose. Mais on a quand même trouvé des choses, c'est très bien. Alors on va manger. Voilà. Ok. En cas de dernier combat, on n'arrive pas à jeun, ce serait dommage. Mais il n'y a pas de combat, voilà, on a fini ce donjon. Eh bien, écoutez, ça aura démarré assez délicatement. Ça se sera plutôt bien fini avec pas mal de thunes hein, récoltées. Alors, Gabi le Véreux nous gagne photomanie, donc stress moins 20% si la torche est supérieure à 75%. Alex Hugo gagne quelque chose également. La peur de Dieu. En ville, ne peut que prier pour déstresser. Et expertise des tanières, donc dommage plus 15% dans les tanières. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me.
Et voilà, ça c'est fait. Donc on va pouvoir envoyer Gaming L. Voilà, déstresser un petit peu. Y avons-nous d'autres? Alex Hugo. Oui, alors Alex Hugo, hop. Donc, tourmente, hein, toujours à adopter si vous le souhaitez. On pourra renommer le personnage. Et puis Gabi ne veut pas. Voilà, Gabi coûte cher. Mais bon, on a récupéré les objets, donc on fera un petit tour de distribution. Et puis voilà, et on se retrouve tout bientôt pour la suite. Allez, ciao!